Bon, bah salut tout le monde. Bon alors on va continuer sur une petite astuce. Donc cette fois ça va être pour créer son booster soi-même en fait. Donc vu les tarifs et tout dans le commerce et tout, et puis il y en a certains qu'on n'arrive pas à trouver. Donc bah, on va essayer de confectionner ça bah, de manière assez simple. Donc bah, il va vous falloir une base. Donc la base ça va être de la glycérine. Donc ça se trouve en pharmacie, en parapharmacie et tout, c'est pareil, c'est vendu en litres. Donc ils peuvent vous le conditionner en 10 centilitres, 20 centilitres ou 50 centilitres. Ensuite, il va falloir du sucrant, donc NHDC, du sweetener ou autre chose comme ça. Et un arôme. Donc là, c'est pareil, hein, c'est vraiment choix personnel. Donc il y en a certains qu'on arrive à trouver assez facilement dans le commerce. Donc là, il n'y a pas vraiment besoin de se casser trop la tête. Mais il y en a d'autres, par exemple, quand on fabrique ses bouillettes soi-même, c'est pas forcément évident de trouver le booster adéquat à l'arôme qu'on a mis dans la bouillette. Et un petit peu d'acide aminé. Donc soit en poudre, soit en liquide. Ça aussi, c'est pareil, ça se trouve dans les magasins de pêche. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc alors pour 50 centilitres, il va vous falloir un récipient de disons 1 litre, comme ça au moins c'est plus pratique pour mélanger. Donc alors la glycérine c'est utilisé pour pas mal de choses. Donc je vous laisse regarder sur Wikipédia ou sur Google ou autre. Ça a aucun problème au niveau des poissons, ni sur la santé, ni quoi que ce soit. Donc c'est utilisé dans l'alimentation par exemple. Donc il n'y a pas de souci. En plus c'est de consistance assez un petit peu comme du sirop. Donc ça nappe très bien ça nappe très bien les bouillettes. Voilà, une fois que c'est fait, on va prendre l'arôme. On va mettre 2 ml 5, 2 ml et demi pour 50 cl de glycérine. Donc alors pour l'arôme là c'est pareil hein. Alors ceux qui fabriquent leur bouillette eux-mêmes pour le nappage bon il n'y a pas de souci. Par contre si vous voulez vraiment booster vos bouillettes, les laisser tremper dedans, il va falloir sous-doser un petit peu quand même le mélange. Alors soit le mélange que vous allez faire pour les bouillettes, ou soit sous-doser le booster. Parce qu'en fait sinon bien sûr ça va créer quand même une surdose en fait, et ça peut être néfaste en fait au niveau des résultats. Donc 2,5 ml d'arôme pour 50 centilitres de glycérine. Et le sweetener, on va mettre 4 ml. ml pour 50 centilitres aussi pareil de glycérine. Donc une fois que ça c'est fait, il reste plus qu'à incorporer dans le mélange les acides aminés. Donc avant on va fermer la bouteille, bien remuer. Donc alors les acides aminés aussi hein, c'est pareil hein. Donc alors si c'est en poudre, il va falloir vraiment bien le mélanger pour que ça soit vraiment homogène. Et si jamais c'est en liquide, bon il n'y a pas de souci, entre 4-5 millilitres, ça suffit. De toute façon, en général, il n'y a pas vraiment de surdose, parce qu'avec le volume d'eau qu'il y a sur les plans d'eau ou en rivière ou quoi, il n'y a pas de souci, ça va relativement vite. Donc pour les arômes, là c'est pareil, il n'y a pas de limite. Donc il y en a certains qui sont à base éthylique. Donc ça va agir vraiment très rapidement, et surtout remonter dans les couches d'eau, travailler verticalement.
Et il y en a d'autres, des arômes en fait, qui vont être à base de propylène glycol. Donc bon, c'est des mots un petit peu barbares. Mais ceux-là, ils vont travailler en eau chaude, en eau froide, il n'y a pas de souci non plus. Mais par contre, ça va avoir un effet en fait plus nappant en fait au niveau horizontal. Donc une fois que c'est bien mélangé, de prendre une feuille ou un petit ce que vous voulez quoi, faire un petit entonnoir. Et donc là, bon là j'ai de la poudre, donc c'est plus facile à. Bon, ça revient au même, hein, de toute façon. Donc pour le dosage, ben, ça va être une cuillère à café pour 50 centilitres de glycérine de mélange. Une fois que c'est mis, ben, pareil. Même principe, on referme et on secoue ça bien généreusement. Alors le mélange il peut être utilisé pour tout en fait. Hein. Alors soit en nappage, comme j'ai déjà montré pour les périodes hivernales ou autres. Donc on met les bouillettes en fait dans un seau, un truc comme ça on nappe. Puis après on remue bien pour que ça soit uniforme. Après on saupoudre de farine diverses. Soit en trempage, mais là comme j'ai dit, précaution si jamais vous roulez les bouillettes pour pas faire un surdosage. On peut l'utiliser aussi en stick mix, absolument toutes les possibilités sont envisageables après. Donc une fois que le mélange est vraiment très homogène, donc si vous avez un blender ou autre, pas spécialement après pour l'utiliser en cuisine après, bon une fois bien nettoyé, bon normalement il ne devrait pas y avoir trop d'odeur, mais bon c'est jamais quoi, il peut y avoir des surprises. Surtout si vous utilisez des arômes qui sont assez violents, quoi, carnés ou autres, c'est vrai que c'est un peu limite des fois. Donc une fois bien mélangé, il n'y a plus de soucis, c'est utilisable directement. Donc après niveau tarif, c'est vraiment très très, très très rentable. Parce qu'on arrive quasiment à diminuer le prix d'un booster en magasin. Donc c'est pas négligeable pour avoir quasiment les mêmes effets quoi, hein, parce qu'ils utilisent une grosse partie des mêmes choses. Donc la simplicité c'est ça paye. À cette préparation bien sûr on peut mettre un petit peu de fluorécéine comme dans la vidéo précédente. Et puis ça vous fait un booster personnalisé avec l'arôme que vous avez choisi et puis en plus un peu de fluo dessus pour faire olfactif et visuel. Et ça donne un attrait quand même assez sympathique aux zèches et ça marche pas mal. Bon, mais j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Et puis en espérant que vous allez faire des poissons et tout quoi. Surtout que la saison froide va commencer à arriver, donc on sait jamais. Ça peut permettre de se différencier en fait au niveau des appâts, des boosters. Parce que les poissons, suivant certains arômes, ils ont jamais eu ça. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Bon, ben sur ce, je vous souhaite bonne pêche, et puis à la prochaine. Allez, ciao!